Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc les enfants, nous continuons dans notre étude des piliers de la foi. Et on a vu que le meilleur moyen de rentrer au paradis était de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et nous allons parler aujourd'hui du quatrième pilier de l'islam, qui est al-imanu bir-rusulil kiram, le fait de croire aux nobles messagers. Les messagers qui sont des êtres humains qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi. Allah azza wa jal, il les a choisis pour transmettre son message. Allah a choisi ces hommes pour transmettre son message. Alors sachez qu'il y a eu beaucoup de prophètes et de messagers. Il y a eu beaucoup de prophètes et de messagers. Certains dont Allah Azza wa Jal nous a raconté leur histoire dans le Coran, et d'autres où Allah Tabaraka wa Ta'ala ne nous a donné aucune information sur eux. Mais nous, on croit à l'ensemble des prophètes, à l'ensemble des messagers, qu'on connaisse leurs histoires ou qu'on ne les connaisse pas. Puisqu'Allah Azza wa Jal il dit minhum man qasasna alayk, parmi eux il y en a certains dont on t'a conté l'histoire, wa minhum man lam naqsus alayk, et parmi eux il y en a dont on ne t'a pas raconté l'histoire. Donc on en connaît certains. Et en réalité, on n'en connaît pas beaucoup. Ceux dont on connaît les noms, ceux dont on connaît l'histoire, en réalité, il n'y a pas beaucoup. On n'en connaît pas beaucoup. Parce que les prophètes et les messagers, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Mais dans le Coran, on en connaît 25. Dans le Coran, on en connaît 25. Alors, on va en citer quelques-uns qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a cités dans le Coran. Vous pouvez répéter après moi. Adam, Nuh, Idris, صالح
هود. شعيب. لوط. إبراهيم. إسحاق. إسماعيل. يعقوب. يوسف. أيوب. ذو الكفل. داود. سليمان. يونس. زكريا. يحيى. عيسى. موسى. هارون. اليسع. إلياس. Et le dernier des prophètes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important de connaître les 25 prophètes qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a cités dans le Coran. Mais rappelez-vous, nous on croit en tous les prophètes et tous les messagers, qu'on les connaît ou qu'on ne les connaît pas. Parce qu'il y en a certains où on connaît leur nom, comme ceux que l'on a cités, et il y en a d'autres où on ne connaît pas leur nom. Mais nous on croit en l'ensemble des prophètes et des messagers. Ensuite, il y en a où Allah tabaraka wa ta'ala nous a décrit leur histoire en détail. Et l'histoire qui a été la plus citée dans le Coran, c'est l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. C'est l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. L'histoire de Moussa avec le Pharaon, c'est l'histoire où Allah tabaraka wa ta'ala, il nous l'a plus cité dans le Coran. Et il y a d'autres histoires, comme l'histoire de Isa, comme l'histoire de Nuh, comme l'histoire de Hud, comme l'histoire de Saleh, comme l'histoire de Ayyub, comme l'histoire de Sulayman. Et bien d'autres histoires qui nous ont été citées dans le Coran, dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Également, dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi donné des informations concernant les prophètes et les messagers. Et nous, les musulmans, on suit... On écoute le Coran et la Sunna. Ce sont nos deux références. Ce sont nos deux sources. Et toutes les informations que je vais chercher pour connaître Allah, pour connaître les prophètes, pour connaître les anges, pour connaître les livres, pour savoir ce qu'il se passe après la mort, et pour connaître le destin, toutes ces informations, je vais les chercher dans le Coran et dans la Sunna de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, nous croyons que les prophètes, ils ont transmis complètement le message qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné. Ma taraku khayran
إِلَّا دَلَّوْا أُمَمَهُمْ عَلَيْهِ. Ils n'ont rien laissé, aucune bonne chose, sans qu'ils n'en ont informé leur communauté. وَلَا شَرًّا إِلَّا حَذَّرُوا أُمَمَهُمْ مِنْهِ. Et il n'y a aucun mal dont les prophètes ne nous ont épargnés. Il n'y a rien qu'ils nous ont laissé. Toutes les mauvaises choses, ils nous les ont avertis pour, afin qu'on ne les fasse pas. Alors, tous ceux qui ont cru en eux et qui les ont suivis, ce sont des gens du paradis. Ceux qui ont écouté, qui ont suivi le prophète Noé, ils ont cru en lui et ils l'ont suivi. Eh bien, ce seront des gens du paradis. Ceux qui ont écouté le prophète Saleh, ils l'ont cru, ils l'ont suivi. Eh bien, ce seront des gens du paradis. Ceux qui ont écouté le prophète Shu'aib, le prophète Ibrahim, le prophète Ayyub, le prophète Dhul-Kifl, le prophète Zakaria, le prophète Ismaïl, Daoud, Sulaiman, Isa, Yahya, Yusuf, Harun, Al-Yasa', Ilyas, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam wa alayhim as-salam. Ceux qui ont cru en eux et qui les ont suivis, ce seront des gens du paradis. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prophètes sur la terre? Est-ce qu'il y a des prophètes sur la terre? Non. Parce que le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a été envoyé pour tous les êtres humains. Donc nous aujourd'hui, on va un exemple, si je te dis, est-ce que tu crois au prophète Moussa? Tu vas me répondre oui, bien sûr, je crois au prophète Moussa alayhi salam. Mais est-ce que je dois le suivre lui? Non. Je dois suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord les enfants? Et celui qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura gagné toutes les bonnes choses dans cette vie et aussi quand il va mourir. Au moment de la mort, quand on va te ramener au cimetière et on va t'enterrer, eh ben les anges ils vont te poser la question. Quel prophète as-tu suivi? Alors toi, si tu as suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas dire que mon prophète c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, dans ta tombe, dans le cimetière, alors qu'il fait, c'est un tout petit endroit où il fait noir, et ben ça va se transformer pour toi en jardin parmi les jardins du paradis. Tu pourras avoir tout ce que tu veux, toutes les bonnes choses. Il y aura une porte ouverte vers le paradis. Ça sentira bon, ça sera beau et tu seras content et tu seras heureux. Et ensuite Allah Azza wa Jal, il va te ressusciter et il te mettra au paradis. Et tu auras tous les jouets que tu veux. Tout ce que tu demandes, tu l'auras. C'est beau quand même. C'est pour cela, les enfants, que toute notre vie, on suit le Coran et on suit la Sunna et on suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on croit à tous les prophètes. Ensuite, sachez
qu'il y a des prophètes qui sont meilleurs que d'autres. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal leur a donné une place plus importante. Ça ne veut pas dire que les autres ils ne sont pas importants. Non. Mais ça veut dire que ceux-là, ils sont les plus importants. Alors retenez-les, mettez votre main en faisant le chiffre 5 et retenez les 5 prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a élu. Alors répétez, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Donc ces 5 prophètes, retenez-les, c'est important. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les prophètes les plus importants. Et ensuite, la dernière des choses que nous pouvons citer concernant la croyance au prophète, c'est que le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les enfants, toute votre vie, vous devez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des êtres humains. C'était le meilleur des êtres humains. Il n'y a personne sur terre qui est aussi mieux, aussi meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le meilleur des êtres humains. C'est lui le meilleur des êtres humains. Et dites-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même que c'était le meilleur des êtres humains, eh bien il était humble, c'est pas comme les stars aujourd'hui, où lorsqu'ils s'arrêtent, ils se prennent pour les plus beaux, ils se prennent pour les plus forts. Non, nous, nos modèles, ce ne sont pas les joueurs de football. Nos modèles, nos exemples, ce ne sont pas Cristiano Ronaldo ou Neymar ou je ne sais pas qui encore. Ça, ce n'est pas eux nos modèles. Ce ne sont pas Mbappé. Ce ne sont pas Mbappou. Ce ne sont pas, je ne sais pas encore, tous les autres joueurs. Non, ce n'est pas eux nos modèles. Ce ne sont pas les chanteurs qui chantent et qui disent des bêtises. Non. Ce ne sont pas les chanteuses qui chantent et qui disent des bêtises et qu'ils se comportent mal. Non. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas ceux qu'on voit à la télé, nos modèles. Mais nos modèles, ce sont les prophètes. Et nous avons dans le dernier prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des exemples. Et sachez les enfants que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rencontrait des enfants comme vous, eh bien il s'arrêtait et il leur disait assalamu alaykum, et il demandait de leurs nouvelles, est-ce qu'ils vont bien ou est-ce qu'ils vont pas bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les enfants. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux. Il était doux. Il était tellement doux.
et gentil qu'un jour. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de marcher avec Anas ibn Malik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un gros manteau, comme une grande veste. Et là, il y a un bédouin. Un bédouin, c'est quelqu'un qui habitait dans le désert. Il est venu voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a approché, il l'a agrippé, il l'a tiré. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des traces sur son épaule, tellement l'homme, il tirait son manteau et lui disait « Oh Mohammed, donne-moi, ordonne que l'on donne, on me donne des choses. Tu dis à tes compagnons de me donner des choses. » Il lui a mal parlé. Imagine-toi, tu es dans la rue. Quelqu'un te vient, il te tire comme cela, il te fait des traces dans ton cou, il te fait mal devant tout le monde, devant tes copains, devant tes copines, et il te dit, donne-moi ça. Bah, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas te laisser faire. Eh ben, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a rigolé. Il a souri. Il s'est tourné vers lui. Et ensuite, il a dit, donnez-lui ce qu'il demande. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il savait que les bédouins qui habitent dans le désert, c'est leur manière de parler, c'est leur manière de faire. Donc, il ne s'est pas vexé et il a eu le meilleur comportement. Il a eu le meilleur comportement envers lui. Également, Abu Huraira, radiyallahu anhu, il nous raconte qu'un homme, un jour, il est rentré dans la mosquée. Et vous connaissez les mosquées, comment que c'est propre les mosquées. C'est beau, ça sent bon. Et l'homme, il est rentré dans la mosquée. Et est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a fait pipi dans la mosquée. Alors, les compagnons, ils se sont mis en colère envers lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, laissez-le terminer. Ne le coupez pas. Parce que premièrement, si on le coupe, ben c'est dangereux pour sa santé. Tu peux pas arrêter comme ça. Et en plus, si tu le bouscules, ben il va mettre du pipi partout. Ce sera encore pire. Donc il a dit, laissez-le comme cela. Ramenez un seau d'eau et nettoyez le pipi. Alors les compagnons, de regarder le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux compagnons pourquoi il a fait cela. Il a dit, on vous a envoyé pour faciliter les choses et non pas pour les rendre difficiles. Et ça, c'est important, les enfants. Les enfants, c'est une chose très importante dans toute votre vie. Retenez cette leçon. Des fois, vous êtes à l'école ou vous êtes au sport ou vous êtes en famille avec des cousins, des cousines. Et des fois, il y a des enfants avec vous qui ne connaissent pas l'islam. Ils ne connaissent pas la religion. Alors il faut être doux avec eux. Il faut leur expliquer gentiment la religion. Il ne faut pas dire, attention, hein, il ne faut pas se moquer d'eux. Ah bon, tu connais pas le Coran? Ah bon, tu connais pas cette histoire? Non, on doit être doux. On ne doit pas se moquer des gens. Et si un exemple, des fois, quelqu'un il va faire une bêtise ou même un péché, mais peut-être que lui, il ne sait pas que c'est un péché. Sois doux envers lui. Sois doux envers le
ton camarade ou ton cousin ou ton petit frère ou ta petite sœur ou n'importe quelle personne, comme a été doux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les enfants pour le cours d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Inch'Allahu, si nous sommes encore vivants, nous pourrons terminer les deux piliers de la foi qui nous restent, la croyance au jour dernier et la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم les enfants.